Je remercie aussi mes frères qui m'ont précédé à la parole. En ce moment précis au Sénégal, nos mémoires vont vers de grands hommes. Feuke Bambaye, qui a été debout et a fait de sorte que la justice soit debout. Mais aussi Jean-Alfred Diallo, général de l'armée, qui a su, à des moments de crise de 68, prouver au président de la République que l'armée restera du côté du peuple. Mais aussi, il faut le rappeler, le président Abdou Diouf, le président Senghor, même le président Watt, en un certain moment donné, ont compris que le jeu démocratique voudrait que les présidents, quand ils sont aux affaires, qu'ils sachent qu'ils le sont au nom du peuple. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, nous regrettons aujourd'hui Kébambaye, parce que nous avons une justice où on ne voit pas de magistrat capable de se comporter comme Kébambaye. Nous regrettons aujourd'hui l'absence de Jean-Alfred Diallo, parce que nous n'avons plus de généraux capables de dire au président de la République qu'il faut arrêter. Nous regrettons aujourd'hui ces présidents qui ont, de leur gré, de leur propre gré, cédé le pouvoir, le président de l'Assemblée. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais doit comprendre une chose, que le Sénégal n'appartient pas au président Macky Sall. Il en est le président, certes, jusqu'en 2024. Il a le devoir de remettre ce Sénégal-là aux Sénégalais en état. En état, c'est avoir une justice équitable, une justice juste. En l'état, c'est avoir des forces de défense et de sécurité qui soient du côté du peuple. Aujourd'hui, on veut avoir des magistrats, surtout des procureurs, quand ils élèvent la voix, que ce soit de voix d'autorité, autorité d'une manière positive. Mais quand nous écoutons les points de presse délivrés par les procureurs, c'est des points de presse dont le contenu semble diriger toujours vers d'un seul côté. Combien il y a eu de morts au Sénégal, nous regrettons. En mars 2021, il y a eu 14 morts. Est-ce que les procureurs sont sortis pour faire un point de presse là-dessus? Est-ce que ce n'est pas des vies comme toutes les autres vies? Aujourd'hui, on a assisté à la mort d'un jeune lycéen à Bignona. Avant lui, il y a d'autres qui sont décédés. François Mankabou est décédé. Deux éléments des forces de France de sécurité sont disparus. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de communication du procureur sur ça. Mais il a fallu tout juste qu'on invente des choses telles de commandos pour que le procureur sorte. Je pense qu'on est en train même de jouer avec la sécurité des Sénégalais. On est en train de fragiliser la justice sénégalaise, qui est la meilleure justice aujourd'hui en Afrique. On est en train de fragiliser les forces de défense et sécurité, qui sont les meilleures en Afrique, malheureusement pour les causes et les beaux yeux d'une seule personne, le président Macky Sall. Bonjour à la presse, bonjour chers amis de la coalition Yehu Askanwi. Notre rencontre de ce soir, comme il l'a indiqué, c'est pour surtout nous indigner effectivement de ce qui se passe dans ce pays-là. Nous tous, nous savons que la République est à terre, c'est ça la vérité. Les institutions sont manipulées. Nous avons vu cette sortie fracassante du procureur général. Une sortie malheureuse où nous avons vu des fils, ou bien un des fils de Tambacounda, connu de par son père, Feu Kabiné Kaba, qui a été un grand serviteur de l'État, qu'on accuse de terroriste. Ce qu'il faut dire désormais au Sénégal, c'est chaque opposant politique qui s'oppose à cette dictature de Macky Sall est considéré comme un terroriste. Alors je dis que nous tous, nous sommes des terroristes. Macky Sall n'a qu'à venir nous prendre. Si s'opposer à cette dictature de Macky Sall ou s'opposer à son troisième mandat qui est impossible, s'agit d'un acte terroriste, alors nous tous, nous sommes des terroristes. C'est ça la vérité. Et je vais juste terminer pour dire que comme il avait appelé à la résistance en 2011, parce que nous, on a été du combat contre le président Wade en 2011, et c'est lui-même Macky Sall qui réclamait ce droit de résistance. Nous, aujourd'hui, nous réclamons ce droit également pour dire non au président Macky Sall, non à ses forfaitures, et également, on a été très écœurés d'écouter le général, la sortie du général Fall. On pense qu'en ce moment de piété, l'appel serait un appel à l'apaisement. Mais nous n'avons jamais vu un général qui est le général, qui est une institution à la limite. Parce que ce n'est pas le général de Macky Sall, c'est le général qui doit protéger les peuples, les biens et les personnes. Mais si ce général
nous dit que s'il y a quelqu'un qu'on interdit de passer par là, qu'on va taper dessus, franchement, je ne sais pas où va ce Sénégal-là. C'est quelque chose de regrettable. Et ce qui est encore plus cocasse dans cette histoire, c'est qu'on veut nous mettre en mal avec les religieux, avec les personnes, peut-être j'allais dire même les chefs coutumières ou religieuses. Et ce qui est aberrant, nous n'avons jamais assisté de mémoire dans l'histoire politique de ce pays-là, des histoires de ce genre, des problèmes de religion ou de problèmes de contrée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est quand tu es collé à certains noms, tu es considéré comme un rebelle déjà. Ce qui est honteux à la limite. Nous, de Yewi Askanoui, nous du PASTEF, mais nous de Tambacounda, j'allais dire. Nous nous sommes réunis ici juste pour discuter des problèmes de l'heure. L'heure est grave. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous, à la tête de notre cher Sénégal, un président à qui nous ne faisons plus confiance. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de Sénégalais sont morts tant que notre président ne fasse aucun geste. C'est dire tout simplement, il y a de quoi avoir peur. Revenir tout simplement sur les faits de l'heure, dire que nous avons un fils de Tamba à qui Macky Sall accuse de terroriste, accuse de tueur d'hommes. Au Sénégal, nous n'avons pas de terroristes. Aucun fusil, un plus petit fusil, n'a pu être découvert entre les mains de ce patriote-là. Bouramani Kaba est un patriote convaincu que tout Tamba connaît. Et que le ministre Sidiki Kaba, je crois bien que c'est son oncle. Et s'il y a un Sénégalais qui doit se lever pour dire non à cette forfaiture, c'est lui qui doit être le premier. Nous lançons donc un appel à tous les Tambacondois à dire non à cette forfaiture. Macky Sall est en train de nous mettre en mal avec les foyers religieux, de nous mettre en mal avec la justice, de nous mettre en mal avec les forces de défense et de sécurité. Mais nous ne devons pas l'accepter. Il ne lui reste pas moins de 10 mois à la tête de ce Sénégal. Alors, levons-nous. Ce n'est pas Macky Sall qui doit créer cette cacophonie, cette guerre, cette médisance, j'allais dire, entre les Sénégalais. Évitons de parler d'ethnie. Évitons de parler de religion. Évitons de parler de ces choses-là qui nous ont liés et que jamais, au plus grand jamais, le Sénégalais n'a fait fi. Nous sommes ici donc à Tambacounda et nous lançons un appel à tous les Tambacoundois pour dire non à cette forfaiture. Donc, chers frères, chers journalistes, nous nous arrêtons là, donnant la parole à M. Souleymane Dembélé, qui représente ici MIMI 2024, mais à notre grand frère aussi, M. Bounama Kanté, qui représente le CET ici au niveau de Tamba. Je vous remercie de votre attention. Nous disons que le Sénégal a fait beaucoup de gouttes. Nous savons que nous sommes riches. Le président, si vous savez, warona yeureum askanam warona ar askanam warona ouf askanam mom lañ doon xaar ci président Macky Sall waye gis nañ ne reccu nañ lol lañ ko falé 2011 reccu nañ lol lañ ko voté 2019 ta sax 2019 bobu ñu wax dara woruñu téne mo gagné élection bobu parce que élection ya jarul won ci yoon waye bëgg jam bëgg dal ci biir Sénégal mo tax ñu bayil koko waye nak gis nañ ne dañu jakarlo président bo xamné xamul bur sayna bur déna rek la xam ñun nak dañu nek peuple bo xamné jam lañu mësa xam depuis 1960 à nos jours mësu ñoo xam notel mësu ñoo xam rayanté suñu biir. Problème waso, Sénégal musu ko xam. Problème religion, Sénégal musu ko xam. C'est la première fois ci réñu Macky Sall que ñuy dégg mbirum waso. Que ay
ay déclaration am que ay marche am ay tir à balle réelle sur des citoyens ñu gën ko noté nak sur la partie sud du Sénégal mu metti ñu trop nak parce que Sénégal daawu ñu fi dégg djola daawu ñu fi dégg bambara ni wolof ni sérère dañoo bokkon day bokk bay di dund ñi di takanté seen biir di dund gu neex ci suñu biir ñu gis na nak Macky Sall salfané lool lepp té bëgg na bala mu fé joggé tassaré Sénégal lor Sénégal djibi religieux amatu fi respect fim tolni ndax Macky Sall képp ku diiné soxal Macky Sall xottina sa worm képp ku magistrat Macky Sall xottina sa worm en tout cas gis nañ né Sénégal doxatul té woratul ñun nak Tamba dañu am suñu dom bo xamné fi la juddo muy Bramani Kaba papam di feu kabina Kaba jakité man mi di wax ak yeen mako jaay carte de membre pastef mom feu kabina Kaba mako jaay carte de membre pastef pour vous dire que même bi mo wowe au téléphone pour am carte de membre bi ma ne ko ma ngi ñew jaay la mu ne ma deureul militant moy déplacer mom mo déplacer wu ba sama keur ñew ma jaay ko carte de membre pour vous dire combien il était engagé yalna souf woyaf ci kawam di ñaanal ki di Bramani Kaba dañ ko wara bayyi le plus rapidement possible ce n'est pas l'affaire de Pastef ni l'affaire de Yewi Askan c'est l'affaire de tout Tamba oui c'est l'affaire de tout Tamba ñun ñepp wara jox dañu am ay ministre ki di Sidiki Kaba mu nek ministre di Nidiayam kon bu xex waré am bu régler waré am bu touma waré am mom mo wara nek le premier Tamba kon do téggu touma bob parce que terroriste amul Sénégal terroriste amul Tamba dañ ñu ko bëgg jiñ pourquoi parce que rek dañu bëgg nasaxal Pastef dañu bëgg nasaxal Yewi Askan wi dañu bëgg nasaxal Ousmane Sonko pour rek briguer une troisième candidature ou un troisième mandat lool nak du fi am parce que mom da ko xexone en 2011 ay bakkan rocci kon duñ ko ko nangul niñ ko bañalé Ablaye Wade te moko gën fofu sax nanguluñ ko ko Macky Sall Ablaye Wade ko gën témer yoon ta nanguluñ ko Ablaye Wade kon du mom lañ koy nangul kon nous lançons un appel à toute la jeunesse de Tamba à tous les Tamba Koundoua ñu nek bir Tamba commune ak ñu nek bir département bi parce que nak ki di Bramani Kaba papam ñepp la daan defal nit daan fébar ñew mu fajj ko nit daan ñak ordonnance mu ñew man sama kanam fekk na ko batay kon wa Tamba mbira ngi ni bo xamne suñu mbir la du mbirum Macky Sall du mbirum wa Dakar ni mbirum wa parcel asen mais mbirum wa Tamba kon sama gaay fi lay yamale kaddu gi waye di wax rek ne jog jotna te inshallah dinañ xol naka lañ koy tax naka lañuy taxawé pour wax Macky Sall won Macky Sall ne ay terroriste nekku ju fi ay ray katu nit nekku ju fi assalamu alaykum voilà assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tour ak ci sa sante maa ngi tudd Abdou Mbacke Samb nekk fii ci Tambacounda di coordonnateur Yewi Askan wi nekk fi nag ak sumay nattango yoo xam ne ci biir Yewi Askan wi lañu nekk notamment Bounama Kanté bi nga xam ne moo fi toogal set waaye aussi ni ngi ak Souleymane Dembélé bi nga xam ne moo fi toogal mimi 2024 di yëgal ñëpp ne effectivement ñu ngi liggéey dans le cadre de Yewi Askan wi et que ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci biir Yewi Askan wi yëgal nañ leen rencontre bi tey xëy na peut être danoo tardé wala boog ñu nekk ci yeneen yitte waaye en tout cas képp ku ko waroon a yëg nekk ci biir Yewi Askan wi yëgal nañ la ko di wax ne tey Yewi Askan wi Tamba dañoo dajaloo ngir fas yéene waxtaan ak waa Tamba waaye waxtaan ak aussi Sénégal xam ngeen ne depuis ay at voire sax ay semaine Sénégal doxatut na mu waroon a doxe Sénégal nekkatut ci ay loxo yu wóor
waye Sénégal économie bi tagatembe na waye Sénégal ni di dund ci ñakare ak titangé fim tolni ba taxné ñu néwon nak ñun wa Tamba togal fi wa leader yi ñom ñep ñun bir Tamba ñu néwon ñun tamit dinañ ci am suñu cadeau yo xamné dinañ ko ci sanni ngir wax suñu taxaway ngir wax suñu togay waye nak wax surtout suñu suñu mebet fi ci kanam bu fekke ne Macky Sall ni muy persécuter nit ni bayiwuko wañiwuko duma ci sori trop dina jox kaddu gi ki di Souleymane Dembélé mi nga xamne mo fi togal Mimi 2024 mom tamit mu wax ci ay kaddom ñu deglu ko parce que buñu faté né ñun ñëpp ci opposition lañu nek dañu wara bolé suñuy doolé ngir ëlëk ñu wara jakkarlo ki nga xamné modi Macky Sall ba nga xamné état de droit rërna justice naxayna waye force de l'ordre et de sécurité yu aussi comprendre tuñu seeni position kon ñu jox sans plus tarder cadeau gi ki di Souleymane Dembélé bi ci bi Sénégal ñep xamnañu fumu tollu mo jaxré amna ci askan bi fumu nek ni bo gissé même école nga xamni fét yi normalement aljuma lañ ko waron jël ñu jël ko altiné dégg nañ ni Dakar amna yenn banki tay ci ngone liggéey ñu bu suwu tamit duñu liggéey lool yépp lu ko waral moy situation bi nga xamni président Macky Sall dugal na réew mi ci biir buñu démé ba général gendarmerie au commandant de la gendarmerie jël cadeau di menacer population véritablement réew mi toll na fo xamni kenn warutul tok buñu yaakaaré né président Ousmane Sonko ra leader yeuy askan mi ñom ño tax ñi di xex ñi ngi nax seen bop parce que bu paré ci ñom dina dem ci ñeneen xamne dooron nako ci Karim Watt def nako ci Khalifa Sall bëgg nako def ci Ousmane Sonko té comme mom comprendre na tel lu mu bëgg rapport de force bi il doit être favorable au peuple leneen mi nga xamni war nañ ko tit moy fan yi procureur yi seen wax dafa yomb té normalement magistrat sa wax warul yomb té warul nek wax bo xamni boko jibele rek nit ñi war nañ ci am xel ñaar procureur bi wax dembu té normalement le procureur c'est l'avocat de la société askan bi la wara togal mais bo xolé dembu waxam yeb ñu ko jëmé ci ben côté rek dafa melni que amul Mamadou Korka ba wala Diallo bi décédé bi ñora xana koku du sénégalais François Mankavou xana du sénégalais ak ñom Fulbert nga xamni ils ont disparu xana ñom du sénégalais xana ñoñu mérité wu ñu ki mëna jog procureur mëna genn def communication ci lolu han tay force de défense et de sécurité suñu police suñu gendarmerie nga xamni ci biir Afrique dañ leen natalé won police bu gëna professionnel tay à cause de Macky Sall police mi ngi daanu bo xamni véritablement askan bi dem na bu amatul ko lutté ci mom té lolu nak du problème Ousmane Sonko rek lolu problème askanu Sénégal la wara doon Souleymane wax nako légui amna benn doomu Tamba Kounda bo xamni papam ak lu mu liggéey ci walu askan ñu daan ko woy député du peuple bu ñu taxawé tel ba né koku terroriste la té terroriste nit kay bo joggé pour yaq dëkk xana kay sa alal do ko yaq ki nga xamni bu mu joggé bitim réew ñew tabax hôtel di embaucher ay nit xana kay boy yaq do yaqalé sa alal donc koku ni ko xamé nit ku dal la donc lolu moy waral wa Tamba Kounda nak je pense que fep ci biir Sénégal ñi ñu yewu nañ Tamba Kounda nak man xawma ban problème lañ am mais heure bi dafa jot ñu jog taxaw donc cadeau gi ben lay doon il faut que ñu xex contre l'utilisation abusive des forces de défense et de sécurité mais aussi ñu fexé ba suñu justice mu teudde ndaxanaay parce que procureur sa wax waru yomb te bo waxé aussi dafa war nek waxu kilifa donc loolu lañu wax ni que tay yeewi askan yu fekk niñ koy défé ci yeneen réew yi ci yeneen dëkk yi yeewi askan Tamba Kounda aussi jog taxaw tem né Macky Sall il faudrait que mu comprendre né troisième candidature bi
parce que nous avons tout le mandat. Nous avons un mandat, nous commençons à équinquer et à accepter. Mais troisième candidature, nous avons un mandat. Et l'autre aussi, Askan Bi, moi comme moi, je suis nous avons souvent des gens, justice moi décidé. Nous avons justice décidée. Mais si nous avons fait la justice instrumentalisée, nous avons fait notre table de la fin de préparer le coup. Askan amna a droit né mom wolutul justice bob mais ñun buñ né woluñu justice lo waxu ñu woluñu magistrat yi nekk ci bir justice de femme yenn ci magistrat yo xamni véritablement ñi ngi ternir l'image de marque de la magistrate yenn ci force de défense sécurité ñi ngi ternir l'image de marque des forces de défense et de sécurité et le général Moussa Fall véritablement du li lañ doon xaar ci mom parce que tay bu mu faté né xalisu askanu Sénégal sen alal mo koy fay. Mon nekul général pour Macky Sall, il est général pour tout le Sénégal. Donc lolu la bëgg wax. Wa salaam. Assalamu alaykoum la presse. Assalamu alaykoum suñu mbokki coalition yewi askan wi. Comme niko Abdou waxé rek, man maangi tuddu Souleymane Dembélé. Nekk coordinateur Mimi 2024. Sama téway fi nak luko waral moy ni que le mouvement Mimi 2024 même si c'est une coalition qui n'a pas encore été officialisée mom dafa am taxaway bu wër que légui Sénégal kenn natablé wul que ni le mouvement Mimi 2024 fait partie de l'opposition sénégalaise taxaway bobu nak bo gisé ñu am ko ci wettu yenu askan wi moy taxaw ngir jamarlok Macky Sall lolou moy deug parce que Sénégal ku waxul deug wax lenen le Sénégal vit des moments extrêmement difficiles extrêmement compliqués et jamais de mémoire dans l'histoire politique de ce pays le Sénégal n'a connu autant de violence et cette violence n'est l'œuvre qu'un seul individu en l'occurrence le président Macky Sall lolou moy deug motax nak ñun ñu taxaw thème comme mom nous voté won en 2011 2012 résistance contre le président Wade non au troisième mandat motax ñun aussi tay ñu wara taxaw taxaw gor bobu lool moy deug kon ñu war ci taxaw avec l'ensemble de l'opposition surtout les yeyu askan wi et le pastef parce que tay ku gis lu xew ci réew mi kumba am amul nday les persécutions qui sont faites surtout persécution yi ñi def ci leaderu politique président Ousmane Sonko nga xamni ñepp ñu ngi koy nakarlu kep ko xamantene tu es un démocrate boko nakarlu wul rek c'est parce qu'en réalité tu es autre chose parce que tay ñepp gis nañu véritablement cet homme comment il est persécuté par ce régime là ñepp xam nañu heure bi Macky Sall lui problème mieux pour la question du troisième mandat et il veut éliminer tous les adversaires politiques qui sont capables de le remplacer à la tête de ce pays. Motax nak ñu wara taxaw doon ben say jamar lak mom à Tamba nak je lance un appel solennel qu'il est temps qu'on se réveille parce que c'est ça la vérité parce que buñu déggé demb lu xew fi amna ben doomu Tamba sax nga xamni ñepp xamnañ ko ci Tamba bayam doonon fi député ñuko doon wowe feu kaba jakité ñu dem ba procureur général bobu diko wowe un terroriste kon désormais dans le régime de Macky Sall kuy terroriste moy kep ko xamantene da nga contre Macky Sall kon nous tous nous sommes des terroristes boudé si c'est s'opposer à Macky Sall signifie être terroriste nous sommes des terroristes il n'a qu'à venir nous prendre c'est ça la vérité. Kon nak je pense que Abdou dina ñew ci plan d'action yu ñu wara dégmal en tout cas nous sommes engagés aux côtés de l'ensemble de l'opposition pour barrer la route au président Macky Sall lool mo doon kaddu yi ma ngi gëreum ñëpp di sant ñëpp.